Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va? J'espère que ça va-t-il bien pour vous. Désolé du retard, j'ai été coincé aux impôts malheureusement jusqu'à la fermeture, ce qui a pris un peu plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolé, donc je vais voir si je peux déborder un peu ou pas. Sinon, on viendra me sonner, on me dira: Eh hey, Doubi, il faut que tu bouges, vas-y, laisse-nous la place. Voilà. Du coup, on va continuer sur le bureau de recherche aujourd'hui. On en a encore pas mal à faire. L'Algérie, il faut qu'on aille chercher la coque. Qu'on aille chercher cette sainte coque. Le lion, pareil. Voilà. Le York, c'est une route directe jusqu'au Hyper, que je vais évidemment free-ex parce que je ne jouerai pas en Hyper. Et voili voilou. Ok, bon, on va y aller. On va commencer directos en Lyon. On va se chauffer un peu en Lyon et ensuite on fera le reste. Aïe. Ok. Bon, si besoin est, je pense que je pourrais déborder un poil. Et salut, 0212 18 05 2 sexe. Salut à toi, comment vas-tu? J'ai pas envie d'aller sur C avec le lion. Malheureusement, je suis un peu obligé. Et re-Overlord. Pourquoi? Parce que je l'aime pas en fait. C'est vraiment un navire que je n'aime pas. Et j'ai le Huguen. Le Huguen a un heal. Le Huguen est plus fun à jouer. C'est quasiment des copies. Donc je vais pas m'en merdouiller à jouer une copie. Voilà. Ça me permettra d'arriver plus vite au rune. Et salut Mister Smasher, comment vas-tu? Ou Monsieur Smasher? On me reproche trop souvent d'utiliser des termes franglais. Salut Charlie. Bienvenue sur la chaîne. Bon, matchmaking tier 8 comme ça me va. Tant qu'on n'introduit pas le tier 9, c'est pas trop dérangeant. Je monte un peu le volume. Passer en HE. Salut. Comment ça va, métal? Journée relax aujourd'hui. Journée relax. T'as pas sorti le gros semi-remorque? Samy, non, mais si, je suis sorti. Attends. J'ai fait ce matin. Ouais, je suis revenu avec mes 13 tonnes de blocs. C'est rien, Donc, 13 tonnes pour un mec comme toi. le problème, c'est que légalement, je peux Oh. rouler qu'à 26 tonnes. J'étais à 34. Ah. Tu la sens la surcharge? Ouais, bah c'est juste une surcharge de 13 tonnes, c'est tout. Non, 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 8 tonnes. 8 tonnes Ah oui, de 8 tonnes. surcharge. Bon, ça va. C'est rien, 8 tonnes.
Ouais, mais c'est fait vite cataloguer quand t'es en surcharge. Les flics qui t'arrêtent tout le temps après. Ah bon? Bah ouais. Ils t'ont attrapé une fois. Je pense bien que les autres fois, ils vont pas t'arrêter. Je suis allé où, moi? À Hermal, sous Argenteau, là tout près de Visé. Puis après, je suis allé à Lorbermont, à Verviers. Et puis après, bah, je suis allé à Florifou, sur Namur. Soit des enlèvements. Donc en gros. Je me demande comment les routes peuvent supporter des poids aussi élevés. Bah, on va dire que les routes ramassent sérieusement sous la gueule. C'est pas bien de casser le matériel métal. Si on ferait déjà des routes aussi correctes qu'en France. Bah, tu trouves qu'elles sont correctes en France, les routes? Par rapport au cahier des charges belge et le cahier des charges français, le cahier des charges français est beaucoup plus drastique. Enfin, quand tu roules sur les nationales en France, même si elles sont gratuites, ou même sur le réseau local, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous faut? Voilà, on spot même pas le DD en plus, c'est pas vrai. Surtout, je tourne les tourelles. Voilà, super. Bon, et là, vous allez voir que le shit de... Oh là là, ce torpille. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça purée? Maintenant, je profite d'une bonne petite bière. T'as bien raison. Bonne petite mousse, y a rien de meilleur. What the fuck is that game? What the fuck? Oh là là. Ah, tu t'es bitché? C'est malaisant ça. Déjà vous incoming. Ils se sont fait retourner mon équipe. Pour la nouvelle collection Légion d'honneur. Première pièce, pas de copie, ce qui est normal. Deuxième pièce, pas de copie. Ok. Troisième pièce, copie. Ah, c'est de la RNG. Je vais arrêter de me faire farmer Je vais arrêter de me faire farmer par un Cleveland. Alors je sais pas s'il sait qu'il peut me bouncer. Ou il le fait juste par crainte de... Il fait pile quand tu passes à la HE.
évidemment. Je pense qu'il le faisait juste par crainte, en fait, sans même savoir qu'il pouvait me gouncer. Tiens, bouffe ça, toi. L'équipe ennemie a pris l'avantage. On peut essayer de t'amener le Shira, ça serait cool. Tu connais le char de Gulluk? Non. Mais tu vas me dire ce que c'est? C'est quoi? Ah, c'est le dessin de Hacha et c'est un humoriste. C'est avec des petites bulles humoristiques. Ah non. Alors, c'est pas trop tôt. Les types qui déboisent la forêt amazonienne acceptent enfin de faire un geste pour l'environnement. Désormais, ils mettront de l'essence sans plomb dans leur tronçonneuse. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, est-ce que je pourrais au moins espérer terminer ce Cleveland dans l'idée. Stant. Voilà, mon CV ira s'occuper d'autre chose. La HE sur deux tourelles sur le Graf HP, c'est difficile quand même. Comment il a pu rater les... Comment il a pu rater ses roquettes le seul? Wouah! On va avancer. Joli. Première action du Bayern. Enfin. Ça a quoi ton poison cette fois-ci? Fruit de la passion. Le pire, le chat, c'est que en soi, elle est pas ingagnable hein, la partie. Si j'arrive à les caper tout en sortant par exemple New Orleans, après je farme le tire-pizza à la HE, c'est pas perdu hein, en soi. Faire le tour de ligne, je vais essayer de prendre un cross. Enfin, si. C'est pas perdu. Est-ce que je vais vite avec ça? Je dois aller à 25 nœuds à peu près. 25 nœuds stock, c'est pas énorme. La 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 la. L'occasion de changer d'obus. J'aime bien savoir ce... Attends, j'arrivais à les caper. Notre CV arrive, on sait pas trop comment, à sortir le Kagero. Je me retrouve né avec le Faragout. Le CV peut me focus, j'aurai suffisamment d'art. Ça se tente. Faut juste pas que je me bitch. Ça se tente. J'arrive à prendre des crosses intéressants, ça se tente. Tout en les kaitant au sud, ça se tente. Allez, vas-y, sors-nous le Kagero. Bah, non, Kagero, c'est Smoke, évidemment. Ah, j'ai mis trop de lead. J'ai mis beaucoup trop de lead. Bon. Je mets un feu, quand même.
Ouais, c'est totalement mort. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau les torpes. Oh, c'est beau les torpes. Allez. Une, deux. Ah, j'aurais dû attendre. J'étais trop bête. J'étais trop bête. Non, c'est pas fini. J'ai pas dit mon dernier mot. Bref. C'est honteux de pas mettre de feu. Alors, P, c'est un peu compliqué. Non, là, je suis en HE. Oh le Colorado ce qui m'a. Ouais, j'aurais essayé, on aurait essayé. Tu veux dire? Bon allez, une. En 7 ou en 8? Bah je vais dire. Quoi maintenant? Croiseur, est-ce que j'ai des croiseurs tier 7? Oui. Donc ouais, tu peux envoyer la vite. Vas-y, j'ai mon York à faire. Là... Vous avez vu le chat, c'était impressionnant. La partie genre le Dunkerque qui rush, genre mon fantasme se fait sortir. Mon je sais plus quoi, le Bayern qui sert à rien, mais c'est... Ah, c'est ça World of Warship maintenant. Allez, un petit coup York. Combien quand on me compte du 9? Sur toi, quand du 9, je te TK. Je t'aurais TK avant, mais tant pis, recharge plus vite. Non, ça va, je serai pas TK. Oh oh! Oh putain, le matchmaking de rêve! Mais quoi, encore 3 semaines de congé? Ouais. Yep. Et ça va, tu t'emmerdes pas de trop? Non. Je vais partir la semaine prochaine. Par où? Sur la côte atlantique. Mais encore? Sur le bassin d'Arcachon. Attends, je crois qu'il y a. T'as le bassin d'Arcachon, je pense qu'il y a Cutter qui habite de ce côté-là. Ouais. Très sympa comme quoi. Évidemment, oui. c'est pas la Bretagne, c'est pas la Bretagne. Ah mais t'as peut-être des chances alors. Attends, c'est Gelux ou c'est Schicketer qui il allait Sven. Je sais pas s'il y va. Si. Je l'ai vu plusieurs fois pendant sa convalescence. Il a été négocié avec son médecin pour pouvoir partir en vacances. Mais partir en vacances en gardant ses sous certificat. Moi, de toute façon, tous les avis médicaux, etc., n'a jamais été mon fort. Ouais, mais quand tu as été pété les, on va dire les côtes pétées en tombant sur un tronc d'arbre. J'adore le CV, genre, je renforce mon secteur A. Et je suis mes 5000. Ah là là, putain, ça va, je vais me faire focus. Il revient, hein, en plus. Bon, c'est bon, il ouais, mais tracasse pas, je suis en train de l'achever, là. Merci. Voilà, 5 avions abattus pour seulement 5000 de dégâts. Mais genre, le CV en mode knocker, je mets 3000 de dégâts. Normalement, c'est censé être avion par avion. Genre, j'en pète même pas, hein, tu vois, genre. Super. C'est trop solide, l'Éricain. C'est... Oh, shit. Mais c'est surtout, genre, ce CV en mode knocker qui va tout droit, genre... Oh là 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 là! Et si on allait par là? Et si on était tout seul? Ouais!
Oui. Mettre une hydro quand même. Ils sont Je m'approche pour pouvoir mettre mon radar. Moi, t'arriveras pas à le placer, ton radar. S'il y a un cuirassé derrière, tu vas te faire massacrer. Moi, j'en ai trois qui me targetent. Attends-toi, viens là, on va se marrer. Tiens, le voilà. Bon, l'avantage dans la casta, c'est que c'est pas dangereux à la torpille. Enfin, normalement. Normalement, je dis ça, je vais me prendre toutes les torpes. Trois overpen, bien sûr. J'aurais pas le droit de mettre une peine de temps en temps. Il va me rush torp. Je vais l'attraper dans le broadside. J'aurais le temps normalement de lui mettre deux salves. Potentiellement, je le sors. Mais genre, il s'est cru où lui? Ce disrespect. Ça, c'est du manque de respect. Non mais. Ce disrespect. Salut Kikasseret et salut Cham, comment ça va? Bon, du coup, on a un Hiei à gérer. Pas grave. Non. Par contre, je suis encore. Non, c'est bon, je suis plus spot. Je suis plus spot. Mais regarde ça! On aurait le Minekaze qui ferait le spot sur. Ah, on serait bon. Le Minekaze, il est allé tout là-bas pour faire demi-tour. Il s'est dit tiens, si j'allais roder un peu mon navire, roder mes hélices, roder mon arbre à cam, genre. Ça chalut loulou, comment ça va loulou? Ce disrespect ce disrespect du de la casta, c'était quand même très drôle, genre. Bon, t'es où le Hanno? Viens, viens petit Hanno. Mais qu'est-ce qu'il va faire le? Oh là là, oh là 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 là, le miné casé. Oh là là, ah ouais d'accord, ils sont beaucoup plus que ce que. Ouais, ils sont beaucoup quand même. Et salut, Samol, comment tu vas? Ouais, il y a le Salut, c'est cool. Vélikif. Ouais, y a lui qui est revenu. Bon, focus le anneau. Ouais. Oh là là, les salves à 4. Ça, c'est cadeau. Et prends ça encore, c'est cadeau. Saleté. Et le mini casé, on sait pas ce qu'il fait. Genre. Oh la pute qui vient de me coller la RPI, et si tu lui remets un assordi, il va cramer. Hein. J'ai pas la portée dessus. Ouais, il suffisait pas. On a le Veliki qui pousse. Oh, il y a le Piotr. Mais ils ont. Mais c'est des bots ou quoi? Genre. Mais genre. Mais. What the fuck, genre. Les deux kills, genre, c'est nous qui les avons fait. Ça. Et le mini casé, il sert à rien, genre.
On va se faire rush par On va se faire rush par le le Piotr. Piotr. Ouais. Et après, il va nous avoir en eau ouverte. Et il va nous 1v1 tous les deux. Sans problème. Par contre, le CV ne vient plus nous embêter, étonnant. Merci Loulou de ta compréhension, effectivement, le Minekaze est vraiment nul à chier. Ça, on est d'accord. Enfin, ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est lui qui joue. Non. Voilà. Enfin là. Il continue à cramer. Hein. Je suis bien, ouais. Maintenant, plus. Ils ont même pas été foutus de prendre D depuis tout à l'heure. Non mais c'est un bot le Minekaze, c'est pas possible. C'est un bot, c'est pas possible. Piotr a repris un incendie. Voilà Iron 2 qui arrive. Est-ce que je tape le radar? Ouais. Si tu veux, vas-y. À la rigueur, tu pourrais tenter un truc de la dernière chance. Hein. Ah oui, bah bouffer aux torpilles. Ouais, comme ça, je te fais un petit peu de visu, peut-être. Ouais, je vais essayer. Côté plutôt. Ça va pas tourner, c'est toi qui l'as lancé. Double feu sur Piotr. Oh, il a tourné ses tourelles. Oh là 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 là. On n'a pas un CV, hein. Non, le CV il est pas là. Le CV il est. Oh, et Cross, comment il va notre Crossounet? Voilà, un sort supplémentaire. C'est archi chiant. C'est archi archi chiant cette partie. Mais genre, il y a un monde où le Minekaze il pouvait pas se moquer, capter. Mais c'est pas possible. What? Normalement, je tabasse le Piotr. Gaffe, ça tourne à bien. La torpille. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Ouais, bah il n'aura pas le temps de tourner. Non, GG. J'ai tellement eu de la chance. Tu nous fais la même avec le. Il me reste une minute de reload pour la torpille de ce floor là. Ah, il y a l'autre en plus, j'avais oublié. Ouais, ah, y'a un Iron Man. Non, mais le Minekaze, mais c'est. C'est Captain Tanch. Je suis à 87 000 de dégâts. Et nos cuirassés, mais c'est. 0 quoi. 0, 0, 0. Allez, et ça y est, Congo. Black Ladder. Allez, putain, Congo, viens ici. Je vais descendre un peu du coup. Allez, viens, on va caper. Ah non, il y a la Grand Duke, j'ai pas oublié ça. Ouais. Je vais te le spotter si tu veux. Putain, qu'est-ce qu'elle tourne lentement les tourelles sur ce truc. Ah. Oh, des avions. Revoilà un copain, revoilà un collègue. Oh oh oh, les Ron, du coup j'avais pas vu celui-là. Oh, ça a piqué, ça a piqué. Ah bah non.
dégâts critiques au moteur. Ah, un feu. Il va le garder parce qu'il a été à mon incendie de tantôt. Vas-y, ça, ça fait plaisir. Hop, voilà. La touche. Merci la saturation. Cette partie. Mon dieu. Je suis à 110 000. Mon dieu, tu fais un carnage. Je suis désolé de ne pas avoir été plus au contact, mais. C'est pas ce qu'il y a de plus solide non plus, le York. Oh, les avions. Ah, plus d'avions. Je suis à 120 000. Et où va-t-il s'arrêter? À moi. Pas grave, 621. Ouais, 60, 70. Avec un petit arrondi. Et les avions, ça m'a fait très 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 marrer là. Le gars, il s'en met. La 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 la. Are you sure? Bon, bah, on va aller voir le CV. Fire. Oh, de la viande. Du miam miam. Bon, attends, je vais le knocker, le CV, je vais charger la paix. Oh, je fais des citadelles explosives. Oh, gros calibre, soutien. Ah, par contre, métal, faut le spotter, le CV. C'est toi le DD, là. C'est pas grave, je suis en train de taper des citadelles explosives depuis tantôt. Bon, je suis à 8 citadelles dessus. Bon, je vais y aller. Oh oui, approche mon grand. Le Daffy, je crois en toi. Les orcas aussi pour le KS. Oui. Ouais. Salope. Salut, ouais. Ouais, tu pouvais. Je pouvais me le casser parce que vu le dégât, les dégâts que j'ai foutus. Je suis à 158 000. Putain. Wow. Des citadelles explosives, j'en ai tapé 8. Alors, j'y viens de faire 13 217 pecs, 5 719 de free pecs. 626 633. Bah, attends, je vais faire les captures d'écran parce que c'est abominable. Je suis à 2269. Ouais, franchement en Atlanta, ouais. Franchement en Atlanta, ouais. Bref. On voit bien qui est tout en bas, hein. 35 270 de PX de commandant. Je vais mettre ça dans le Hall of Fame. Le Hall of Fame.
Bah, ça tombait bien parce que je devais faire. Attends, c'est quoi l'entraînement? Je devais faire 30 000 de PEX commandant. Bah, j'en ai fait 34. Bah, j'ai fait. 10 incendies, top 5, ouais, c'est bon. Soutien financier, bah, 626 000, ça avance bien. Extermineur d'avion. Bah, exterminateur d'avion, 18. C'était sale. Ça va, tu t'es fait plaisir. Ouais. Il manque combien là pour le hyper encore? Ouais, un bon 70 000 là encore. Et je débloque deux conteneurs d'un coup. GG. Pour les ressources, pour du charbon. Manque combien? 67 000, la vache. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut encore pour le commandant? Ah, ma puce va rentrer, Dubi, je reprendrai plus tard. Ok, bah, il n'y a pas de souci. Pas de souci, moi je vais continuer. Merci pour la game en tout cas et bravo à toi. Oh. Bah, quand t'es top tier avec un attentat et qu'on te fout un petit peu la paix, ben voilà. Ouais. Mais lui, les casés, il aurait quand même pu gagner plus de points s'il aurait fait du spot, quoi. Ouais. C'est vrai que le miné casé est un peu merdé quand même. Bon, et ben moi je vais repartir du coup en Lyon. On va essayer de le doubler tant bien que mal. Est-ce qu'on a la coque là? Ouais, bon, elle est 2000, c'est bon. Et voilà. Métal est parti aussi vite qu'il est arrivé. Allez, on va essayer de doubler le Lyon quand même. Vous savez quel est le seul truc qui me motive en fait avec le bureau de recherche? C'est que tout ce que tu fais, tu peux pas revenir en arrière. Donc c'est-à-dire que c'est du grind bête et méchant. En tout cas, le matchmaking est gentil, ça fait plaisir. Je reviens, j'ai juste allumé le ventilo, j'arrive. Recoucou, me voilà. Aïe. Du coup, je vais être encore le seul troufion à aller à droite. Allez, on avance le lion. En avant, en avant. Alors, je sais pas si vous avez vu quelques vidéos sur les croiseurs italiens là, mais ça a l'air quand même assez sympathique comme d'ailleurs. Je les ai pas testés sur le PTS, mais ça a l'air quand même archi sympa. Allez, vas-y le CV. Vas-y le CV, massacre-nous le Jaguar. Ah non, tu l'as raté. Bon, c'est pas grave. Je te comprends, je compatis. C'est pas facile.
Skill de poule, viens sur Apex, Loulou, on va faire des diffs sac à dos. On loot pour les autres. Apex, j'ai jamais. C'est quoi Apex? C'est le jeu d'IA? J'ai entendu parler un peu du jeu là, comme quoi les développeurs avaient insulté les. Il y a eu un petit drama là, comme quoi les développeurs avaient insulté les joueurs assez salement. Mais j'ai pas suivi plus que ça en fait. Ouais, les croiseurs italiens, ouais, faut qu'il y ait Monica Bellucci minimum. Après, tu peux avoir Berlusconi aussi sur le pont. Peut-être que ça peut marcher. J'ai l'impression que chez EA, ils ont quand même un gros souci d'interaction. Un gros souci d'interaction développeur-joueur, genre. Quand il y a eu Battlefield 5, il y avait eu aussi une polémique sur le fait que bah une femme soit l'héroïne et ils avaient dit genre d'après ce que j'ai compris aimez le jeu ou ne l'achetez pas genre et que ça avait à moitié plombé le jeu en fait. Ouais non mais ouais bah, oui bien sûr. Après ce qui joue pas non plus à l'avantage d'IA c'est que ils font pompe à fric, ils font pompe à fric, pompe à fric, pompe à fric, quoi. Quand tu vois juste ce qui s'est passé avec Battlefront 2, c'est. Voilà quoi. En même temps. Oula, merde, j'avais pas vu ça par contre. C'est quoi? Oh putain, c'est un kamikaze. Je suis sûr que c'est le kamikaze. Là, c'est le kamikaze. J'étais brain. J'étais brain, mon pote. Et du coup, on va remonter par l'autre côté. Oh, salut, toi. Ouais, non, mais BF2. BF2, ils sont. Enfin, excusez-moi, mais BF2, ils sont comme. Adieu le kamikaze. Les BF2, ils y sont quand même allés comme des porquis, hein, sur BF2. Ce qu'ils n'ont pas compris sur BF2, c'est que je pense que les gens détestent le free to, le pay to win en fait. Waouh, le Sims. Non, mais ça c'est fini maintenant. L'époque où t'achètes le jeu dans ta boîte et tu joues et t'as un jeu complet, c'est fini ça. J'aurais dû rester en épée. C'est fini là cette époque du jeu complet que t'achètes tranquille ou bilou et voilà c'est fini. Maintenant dans chaque jeu t'auras des microtransactions. Ouais, je te dis pas dans tous les jeux, mais dans la majorité maintenant. Dès que tu voudras acheter une grosse franchise, etc., bah t'auras du contenu payant. Parce que c'est ce qui leur permet de, c'est ce qui leur permet de faire un fric, mais insolent quoi, c'est tout. Je sais pas quelle boîte a inventé l'idée, lequel a commencé à faire des loot box. Ouais, wow, 726. Comment tu vas, Ika? Je ne sais pas.
qui touche, c'est honteux. Il y a encore le kamikaze dans les parages. Hein. Oh, mais que des overpen. Voilà. Merci. Joli. Ok, donc ça veut dire qu'on a le kamikaze aussi sur zone. Super. En dessous de la ligne de flottaison. On prend l'eau rapidement. Torpille droit devant. Problème résolu, chef. Torpille à tribord. Torpille droit devant. Ouais, lui aussi, ouais, il m'a donné envie de sortir le kamikaze. Ouais. Bon, et bah, allez, espérons que ça aille mieux avec l'Algérie. Alors Bratislava avec un Normandie, je lui aurais fait le débarquement en Normandie. Lul. On veut le martel, on veut le martel, on veut le martel. Le regrind des bébés allemands me donne envie de mourir. Ouais, non, mais c'est les bébés allemands. J'ai hésité, mais je me suis dit FDG, Gneisenau, Bayern. Non, c'est trop. Le mec, il s'appelle Anti-Russia. Allez, donnez-moi quelques bébés à fermer, qu'on rigole un peu. Oui, ils sont excellents. Excellent, bah c'est la branche généralement que les gens regrindent 4 fois en fait.
Mais jouer 4 fois la même manche juste parce que ça va plus vite. Oui, les gunboats. Non, même le Shira, même si c'est pas un gunboat, il est excellent aussi. Super, ils se cassent tous de l'autre côté, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Tempête massive en approche. Ah, on a un Sinapacheux. On a un Alaska qui pousse. En facile. C'est-à-dire en facile de quoi? Oui, mais oui, c'est à partir oui, c'est à partir de la Kizuki que ça devient un gunboat, oui, mais le Shira est un excellent torboat. Ce qui m'a mis à l'âge. Sérieusement, ce qui m'a mis à l'âge. Oh, le gadget, tout ce qu'il prie. Jolie flèche. Bon, moi je vais remonter, je vais essayer d'aller chercher ses bébés. Un petit peu. Mais c'est même pas. Je me suis pris une baffe, mais je me suis pris une baffe. Je me suis pris une baffe à la HE. Je me suis pris 8000 à la HE, tu vois. Plus tu. Même sous boost, tu traînes le cul, c'est. En fait, les croiseurs FR, vraiment, ils sont sympas uniquement à partir du tier 8. Hein. Et notre Shores qui rush. Oh là là, le Shores qui rush. Des moteurs désactivés.
tribord. Torpille par l'arrière. Et merci Attila pour le host. Merci à toi mon ami. Bon, maintenant on va redescendre. Au moins, bon, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai quand même réussi. J'ai pas assez guidé. Ouais, si tu veux. J'ai réussi à sauver le jambard, malgré tout. Ce qui n'est pas non plus une moindre chose, et j'ai permis à mon équipe qui a fait le tour de pouvoir se remettre en position. Ça, c'est pas trop mal, ça va. Ça, c'est plutôt plaisant. Bon, maintenant, il faut que j'aille chercher ce Bliska. On va essayer d'aller choper le Bliska. Et ou le Vauclin, évidemment. Ah! Je la regrette, la smoke, là. Bon, ça c'est fait. Maintenant, autour du Bliska. T'inquiète, le Bliska, j'ai un reload. Ah bah non, t'es parti en fait. Bon bah je l'ai capé. Du coup. Bah je sais pas, j'ai vu l'annonce d'un million d'XP libre. Bon ça c'était logique. Entre nous soit dit. Mais j'ai pas vu de date. Je sais pas quand est-ce que ça sera. T'en iras voir après, ça se trouve il a peut-être été ajouté déjà. Bon, cette fois-ci, je te jure que je vais pas t'overpen. Voilà. Je l'avais dit. C'est pas du Orca Style, là, les gens? C'est pas du Orca Style, ça a 18 000 de kills. Avec mon espèce de grosse brique. Qu'est-ce que ça va lentement ce truc? Maître Seb me regarde. Qui est Maître? Ah oui, Maître Seb. Ouais. Mais Seb il casse pas encore. Pour avoir joué un peu avec lui, Seb il laissait pas le produit casse. Par exemple, quand tu joues avec Daffy, ça, là il y a du casse. Ou alors avec. J'ai fait une partie aussi avec King Disruptor, ça casse aussi.
Ça caisse bien là. Ça caisse très très bien même. Trop trop bien. Et salut Papy Freezy, comment vas-tu? Tu te mets en position d'attaque. Est-ce que t'es prêt à mourir? Prépare-toi à mourir, Harry Potter. Si je vise bien. Voilà. Bon, ça c'est fait. C'est fait. Tactical bitching, les gens. Tactical bitching. Moi, je suis trop fort avec mon Algérie stock. Non, je rigole. Non, faites jamais ça à la maison, c'est très dangereux. Bon, là, normalement, si on fait pas les cons, c'est gagné. Oui, vous pouvez, avec le petit rond maintenant, vous pouvez faire ça aussi. Mais ça touche, ça met des décaps. Allez, tourne, tournez les tourelles, allez, allez. Prenez votre temps, surtout, je vous dirai rien. Ouais, je pense que 4 kills, 35 000 de dégâts, celle-ci, elle va rester dans les annales, à mon avis, franchement. La partie du jeu fout rien, je m'en bats les couilles, mais je fais 4 kills. Je pense que celle-ci, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal dans le genre. Ok. Ouais. Voilà. That's it. Combien d'XP, quand même? Est-ce que je vais avoir ma coque? 13 000. Je prends. Troisième. Waouh. Bravo. Bravo, Doubi. T'es trop fort. Et vous avez été complimenté, mais j'ai rien foutu, les gens. J'ai juste fait le rôle de finisher. Ah, enfin la sainte coque. Voilà. Enfin la sainte coque. Ok, bon. Toi, mon copain, faut qu'on te double aussi. Faut qu'on soit là, il faut qu'on te double. Il y a un Richelieu à aller chercher. Qu'est-ce qu'il me reste à faire du coup? Ah bah c'est bon, je lui mets deux conteneurs. Alors ne comptez pas sur le fait que j'ai. Ne comptez pas sur le fait que j'ai des navires premium vu que j'ai déjà les 4. Copie. Copie. Ok. Du coup. Alors, est-ce que est-ce qu'il est dans l'arbre? Non, il est pas dans l'arbre. Bon, à mon avis, il sortira la prochaine mise à jour. Je vois que ça, il sortira la prochaine mise à jour. Bon. Donc, on va aller jouer un peu de lion.
Alors, attendez. Pour regarder un truc, hein. HMNLS Friesland. Non. Ah, mais alors attendez, j'ai vu. Ouais, non, 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 il y a un truc. Il y a un truc qui se passe aux Pays-Bas. Là, il y a un événement début septembre de Wargaming qui se passe aux Pays-Bas. À mon avis, ils vont le sortir à ce moment-là. Ou juste avant. Ce qui me semblerait logique. Non, non, il y a un truc qui se passe près d'Amsterdam, là, début septembre, à mon avis, il va sortir à ce moment-là, c'est sûr. C'est pas mal, ça, c'est une bonne... Commercialement, c'est très intéressant, en tout cas. Regardez dans les news, c'est un truc, c'est la semaine du 4, la semaine du 4 ou du 10 septembre. C'est dans la première quinzaine de septembre. Pour sûr qu'il sortira à ce moment-là. Bon, après, ça reste un DD. Je suis d'ailleurs surpris qu'il le sorte en l'état. J'aurais pensé qu'il lui mettrait un peu moins de dissimulation quand même, mais bon. Parce que 6-3, c'est lourd. Hein. 6-3 de dissimu. Avec juste deux canons, même si t'as un DPM de folie. C'est vraiment, 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 vraiment très peu. Après, t'as une smoke de gearing aussi, ce sera un bon destroyer de support. Mais t'as pas de torpille. T'inquiète, le Gnizno, tu vas goûter les joies du lion foulache. Ah, mon armure allemande, elle me protège. Non, pas contre les haches du lion. Ah, mais si, je croyais qu'elle me protégeait, mon hache, mon armure. Hein. On peut blinder à 50 mm. Mais s'il vous plaît, donnez-moi une armure à ce... À 400 mm de blindage de pont, comme ça j'aurai pas les obus à cheveux. Oups, je me bite chez Broadside, ça c'est pas très sympa. Mais qu'est-ce qu'il fait notre Émile Bertin? C'est quoi? C'est des bottes en tier 5 ou quoi? Bon, ça c'est vraiment pas cool par contre. Allez, bitch-toi, c'est bon. Vas-y, va te bitcher, c'est bon. Voilà, il va te bitcher, c'est bon. Je puisse reculer, super. Ça, s'il est pas bien garé, là, mon bateau. Faudra qu'on m'explique ce qu'il est. Parce que là, franchement, un parking comme ça manque plus qu'un petit gardien. Et c'est bon, hein. Là, je laisse les clés. Hein. Voilà, là on commence à se compris. Ouais, une Openarail, mais je vais pas faire de l'Openarail, je vais pas faire de l'Openarail, je vais pas faire de l'Openarail tout le temps, quoi.
Toi, t'as tourné, c'est pas bien. Je vais pas jouer en open array tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, pour faire 100 000 de dégâts, enfin, 100 000, 135 000 d'XP dessus, quand même. C'est genre 10 parties, c'est 10 parties à 13 000, quoi. Là-dessous. Pourquoi notre DD est allé se commit comme ça? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on se fasse une OpenAray après si elle est dispo? Je voulais qu'on se fasse une OpenAray, il n'y a pas de souci. Ouais, après, si vous voulez, on peut se faire une open art. Non, pourquoi tu tires le mincast? T'as 10 secondes de. T'as 10 secondes de reload, mon ami. Détonation? Non, même pas. Moi, j'aurais jamais le droit à des détonations. Oh, mais faire une opération Narai en live, c'est quand même. Enfin, vous la connaissez tous, l'Opé Narai, quoi. Je veux dire, je vous apprends rien avec l'Opé Narai. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, notre Friedrich? Moi, ce qui me fait vraiment flipper, j'avoue, c'est ce guidé. I'll be back. Ah, t'es là? Ouais. Bon, ça va, ça a été vite. Faut dire qu'avant qu'elle ne je me suis tapé sur lui, je me suis endormi. Je suis épuisé. T'es épuisé. Ben, quand t'arrives pas à dormir la nuit, oui. Et t'as essayé de prendre 2-3 trucs doux? Ah, j'ai. Parce que les somnifères, c'est de la merde en soi. Je ne prends pas de somnifères. Ouais. Essaye de la mélatonine, moi ça a très bien marché sur moi quand j'ai des problèmes d'insomnie. Ah. J'ai besoin de données de reconnaissance. Bon, par contre, ils font vraiment que de la merde de l'autre côté. Pirou. Alors par contre, où est le guide? Est-ce qu'il est parti super loin ou il est resté dans la zone pour me farmer? Salut Loulou, merci d'être passé. Bah le lion, en fait, tu peux le jouer à la HE, c'est ultra fort, ça fout des feux, c'est aussi fort qu'un conquérant en fait. T'as vu le nombre d'obus que tu envoies? Ouais, c'est super puissant. Par contre, je vais peut-être essayer de tirer sur le Maha, si possible. Mais pourquoi... Qu'est-ce qu'il fait, le Miné-Kazé? Mais pourquoi j'ai que des Miné-Kazé débiles, là, avec moi? Encore? Ah ouais, non, mais maintenant, il va rusher un Omaha, maintenant. Bah ouais. Pas comme ça qu'on fait. Bah, je sais pas. Non, je crois pas. Moi, quand j'ai eu le Miné-Kazé, il n'y avait pas écrit ça dans le manuel, en tout cas. Ah, enfin, c'était couru d'avance, ça. On va passer à la AP. Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait tirer à la hache encore? Non. Tu joues toujours ton York? Non, je suis passé au lion. Merci Loulou.
Merci d'être passé en tout cas. Non, non, là je suis passé au Lyon. Ouais, mais donc tu continues à jouer du 7. Si tu veux faire du 10, on peut faire du 10. Ah non, non, c'est parce que je veux faire le Nelson là. Ah bah vas-y, bah j'arrive, j'ai bientôt fini. Ah, tenez, faut que je fasse du Apex, commandant. Une petite salle d'appel pas précise. Et ça fait toujours le café. Ok, le guide est là, donc c'est cool. Donc je peux aller par là. Ça, c'est archi cool. Se tire sur le Gaïdé. Allez, ça va être la bonne les gens pour le Lion. Enfin on va doubler le Lion, ensuite on va arrêter. Ouais, là, le Gneizno, sauf si c'est le contre-exemple qui me fait mentir évidemment, mais... Vous allez voir que je vais pas lui faire grand chose. Le 340 est pas assez perforant en fait. Ah bah si, c'est le contre-exemple qui me fait mentir, super, merci. Merci, voilà. C'est le contre-exemple qui à chaque fois trouve le moyen de me faire mentir, c'est génial. Tu devrais faire ça un peu plus souvent. On ne va pas gagner cette session de clan battle. Ouais, 15 victoires d'affilée. À toutes les personnes qui n'ont pas étudié en juin, car il fera mauvais en août. Il fait pétant de chaud. Je sais pas combien de degrés il fait par chez toi, mais là je suis 42 degrés en plein soleil. 42 en plein soleil. Ouais. Moi là j'ai acheté un climatiseur d'occasion en fait. Ouais mais c'est le... Moi j'ai la clim dans le camion. Ouais. Mais t'as pas envie de te foutre dans ton camion, de laisser tourner le moteur? Bah, vu qu'aujourd'hui je n'ai fait que des déplacements pour aller chercher de la marchandise, je fais combien aujourd'hui? J'ai fait... Ouais bah... 150 bornes. Avec le camion... Salut Rakam, comment vas-tu? D'où il met ça de face? Bon, c'est mon étoile. Non, mais... 3000 avec une tourelle, il me met... Non, mais... Ah, si je m'étais pas pris cette torpe, genre. Oh là là. Bon, allez, au moins c'est gagné. C'est bon, je suis dispo. Ah, je m'attendais à un poil plus de blindage, quand même, Bratislava. Un poil plus de blindage. Vas-y, je t'invite, Metal. Hop. Voilà. En 7. Ouais, moi je prends le Nelson. Le Nelson. Mandela. Vas-y, va prendre le Nelson. Prends le Nelson, moi je vais prendre le Puis York. Après, faudra... Bah, faut faire d'Apex Commandant. Je suis à combien, moi, d'Apex Commandant, d'ailleurs? Allez, hop. Jack Dacker, je suis à 560. Il me faut encore un million, quoi. Oh super, il fait div. Quoi? Il fait div.
Ah oh, putain, mais il va prendre un putain de report lui. Bah attends, en face aussi, non, hein. Ouais, bah maintenant le matchmaking essaye de te mettre dans des équipes qui fail div. Vu ce que j'ai mangé tout à l'heure, je suis pas sûr que je vais manger ce soir, tu vois. C'est-à-dire? Ah, ma pointe qui me demandait si on allait manger. Une assiette gyros de bœuf. Mais tu vois, le gars il a eu la main lourde pour le gyros. Donc, à mon avis, tu devais avoir dans les 300 à 350 grammes de dés de. De bœuf. De bœuf. Bon, les frites. Un peu de pain. J'ai. Bah, franchement, pour 10 euros. Non, 11 euros. T'en dis où? C'est 10 euros l'assiette et 1,50€ la boisson. Ça va, c'est pas cher. Non, et en plus la viande est de très très bonne qualité parce que c'est il a beaucoup de débit. Donc la viande est toujours fraîche. Ouais. Et en plus de ça, il a une boucherie ce restaurant là. Et il y a des merguez, ça va t'en faire tomber la mâchoire inférieure à terre. Ouais, tu me fais envie. Bah écoute, si jamais tu repasses sur Liège, on ira bouffer ensemble. Sur Liège? Ouais. Ouais, bah. T'as l'air d'avoir un carnet d'adresses de resto, à mon avis. Je pense que t'es the man to know on Liège. Bah, vu que je suis à côté d'une grande route, enfin ouais, de la rue principale. T'as déjà été sur Liège? Oui, une fois. Ça s'appelle comment? La rue Grétry, c'est où il y a la médiacité. Ouais, bon, attends, là, si tu me donnes le nom d'une rue. Non, t'as déjà été ou pas à la médiacité? Non. Non. Non, j'ai fait une demi-journée à Liège, j'ai pris le train. J'ai vu la gare qui est un chef-d'œuvre architectural magnifique. Je sais pas combien ils ont balancé dans la gare, combien de millions d'euros ils ont balancé dans la gare. Ah, il y a. Moi je vais passer sur des sites plus sympas parce que. Le char Nord déjà et hop. Oh zut, pas d'incendie. Bon, le Miyogi il va bouffer. Je crame le char Nord pour avoir la paix. De toute façon, on est tout seul hein, sur ce flanc avec. Genre deux dégâts. Hello. Ah, on a déjà donné. Vous avez une place en dip ou pas? Ouais. Ouais, ça fait 3 minutes qu'on est en partie. Donc si vous voulez lancer une. Vas-y. Voilà. En attendant, il n'y a pas de problème, on t'envoie la vite après. C'est une blague, les torpilles qui continuent. Putain, ah non, ça va. J'allais dire, je vais la prendre. Yogi! Je vais essayer de d'écarter un peu. Oh, attends, je passe à la AP. Le fou, Taka, toi, tu vas te remettre broadside, mon pote. Je vais. Ouh! Mais vous êtes tenté ça? Non? Non! T7. Et je porte chance à Doubi, deuxième partie qu'on fait ensemble, deuxième fois qu'on est en top tier. Et j'ai fait un carton plein sur la partie précédente. Tiens. Attrape ça le four Taka. Attrape ça. Cible pénétrée. Attrape ça. Vas-y, attrape. Ouais, avec non. La tête, hein. Non. Et ça, c'est pas normal. C'est pas gentil, ça le fou. T'es un méchant fou, Taka. Attrape ça. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Je vais te faire du mal, le fou, Taka. Je vais te faire mal. Très putain, mal. Le piote qui met 14 000 de face. On a détruit un croiseur ennemi. C'est ça qu'on veut voir. Du massacre bien en règle de fou, Taka. Alerte incendie. Problème résolu, chef.
Bon, là, j'avoue qu'ils sont un peu nombreux quand même. Bah, le piotre, il va éteindre, donc la prochaine salve, bah, il va cramer. Ah, putain, j'ai le... L'enculé de... Putain, il va pas me faire le coup de métal hier, ça, le Jaguar. Ah, bah si, il va me le faire. Il va partir à 500 PV, tu vas voir qu'après, il va revenir, il va me buter. Eh putain, je n'ai pas le... pour changer de munitions, fais chier. Donc le char Norse va venir me déboîter les dents. À la torpille. Et je ne peux pas lui tirer dessus. Sauf si le Shira, sauf si le Shira va s'interpose. Sauf que le Shira... Ouais, oh putain, je vais te faire un torpedo beat sur le... T'avais un deuxième rack, hein, le Shira. Voilà, 15 800. Oh non, mais nos deux... Le char Norse, mais non, non, il se fait une frappe double sur nos deux DD. Allez, hop, tiens. T'achèves à la secondaire. Putain, le Charnhorst. Mais le massacre qu'il a fait, le Charnhorst. C'est juste indécent, le massacre qu'il a fait. Merci, le Piotre. Merci, le Piotre, à 15 bornes. Derrière ton île, merci à toi. Merci à toi, mon ami. D'avoir hein, le Myogi. Ce qui est un peu chiant, c'est que ouais, non mais le Shira il a fait n'importe quoi. Ah, je lui pète son rudder, d'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on va pouvoir le... Ah bah non. Je peux même pas aller les chercher à l'hydron en plus, ces DD. Est-ce que je peux les blind? Mais ça va, Geeko, tu ne crames pas de trop. De quoi? Tu ne cuis pas de trop. Oh, niveau c'est chaleur. Bien. C'est habitué. Dans la région de Valence. Ouais, non. Où on est, on ne tient pas. C'est pas du tout notre température. Attends. Le Mutsuki qui fait un carnage. Le Charnors qui pousse. Qui fait un carnage, c'est bon quoi. Là, en plein soleil, il fait 40 degrés. Je vais peut-être avoir le droit de faire des dégâts sur les DD. Déjà crève de chaud, mais j'ose même pas imaginer les personnes qui n'ont travaillé dans des espaces étroits, dans les cabines de train ou ouais, travailler à ramasser les poubelles.
T'as deux DD qui sont toujours pas morts. Ils ont 1000 HP chacun, ils sont pas morts. Enfin. Voilà, ça, tu crèves. Le masque, tu vas crever aussi. Ouais, merci le Piotr. Merci le Piotr, t'as très bien joué, bravo, GG. Super. Attention, cible repérée à cette position. T'as eu notre de grâce là. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir le Mutsuki? Non, hein. Que le Mutsuki, il est pas en position pour spotter, pour torpiller. Non, si. Il y a notre Nicolas qui va rusher. Pourquoi aller rusher? Pourquoi jouer comme ça? Bon appétit, ma chérie. Il rate, mais toutes ces... Mais... Wouah, mais la ligne blanche, c'est pour quoi? C'est pour les... C'est pour qui, la ligne blanche, sérieusement, je vois. Allez, Nicolas. Ah, c'est une blague, on va quand même pas la gagner. Non, on va pas la gagner. Ça a l'air de parti pour. Ouais, tu sais, sur un malentendu. Maintenant, le Kaiser sort de là. Le Kaiser sort de la cape. Ah ouais. Le Kaiser, on sait pas trop où il va en fait. Il devrait tellement blap le Myogi là. Eh non, c'est qu'un ne soit pas dessus, il va tirer sur le piotre. Les DR3 là, les mecs ils ont fait un méga snipe, c'est eux qui nous font perdre. Tu vois. Ouf. Ouf, ça c'était sûr, le Texas qui allait se faire empaffer. Bon. C'est archi perdu. Je suis à win streak 200. J'ai battu des players qui ont deux fois ce streak là. Qu'est-ce qui te fait de spécial? J'ai joué avec un trackpad. Ouh, John Wick. Il faut attendre qu'il soit. C'est pas avec nos gros dreadnoughts qu'on va réussir à la gagner. Sauf si le Budioni se met en position d'attaque. Que le Budioni singe se met en position d'attaque. Mais c'est DD. Ces DD, c'est quand même, c'est une blague. C'est une vraie blague, ces DD. Ils sont même pas capables de suivre une ligne blanche. T'imagines s'ils doivent passer le test là, quand les flics leur demandent de marcher sur la ligne blanche? Oh la vache. Ah, moi je me suis fait.
Je me suis fait choper en vacances une fois. J'étais assez alcoolisé sur un vélo. Et bon, heureusement, ils ont été sympas, les gendarmes. Mais voilà, bon, maintenant faut le sortir. Allez, AP. 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 Pas AP. Ah bah non, pas AP. Voilà, merci. Poil plus de lignes et c'est bon. Joli dodge. Quel est le dernier tableau vu par Lady Diana? C'était pas la Joconde? Le tableau de bord. Oh, c'est gagné. Oh putain. T'es au port, Gecko, ou pas? Je pense bientôt. Mais... vas-y. Non, non, mais attends... Oh, j'arrive, regarde juste si le bout de Johnny adverse va se faire éclater. Bah s'il se fait éclater, ça pourrait être gagné, en soi. Bah ils arrivent à prendre D, là. Attends, t'as le retour des bébés. C'est juste que je suis en guide, c'est un peu compliqué... en masse. Tu l'aimes pas autant que le man, hein, le masse. Ah ouais, non, bah ouais. Pas le même délire. Le bout de Johnny Kram. Mais on est en train de perdre A et B, hein. Ah. Après, tu peux faire des trucs, mais bon, tu vois, tes spots à 6-8 et tes torpilles, elles vont à 8, tu vois, déjà, t'as pas beaucoup de marge, quoi. Les DD, t'es pas forcément gagnant, le reste. Oh, ce qui va prendre le Piotr. Ah, même pas. Oh, 7000 déjà. Ils n'ont pas achevé le bout de... Allez, ça va, c'est bon, je me casse. Énerve. Ils arriveront même pas à caper, genre. Ah non, pas à la cap. Bon, allez, c'est perdu. Je comprends pas pourquoi ils sont allés à 3 sur les... C'est... Allez, hop, sous. On t'attend, Gecko. Ouais, je... Ouais. Machine. Yes. Bon, New York, c'est pas mal. Je devrais quand même bien monter. Mais n'empêche, c'est marrant avec le... C'était avec le guide, le pool, hein. T'as des... les croiseurs, quand tu les chopes broadside, là, il y a pas longtemps, je chopais un Nürnberg, je lui avais mis une salve à 14 000. Avec des 152, là, c'est ça? Ça, ouais, je suis rentré une salve à 7 citadelles, un truc comme ça. 14 000, voilà. Ouais, c'est quasiment fini. C'est pour te dire, notre porte-avions, en fait, il est dans leur cap. D'accord. Faut que je fasse un peu de Mogami aussi. Je suis à combien sur le Mogami? Là, où est-ce qu'il est le Mogami? Onze mille. Ouais, il me reste une chier quand même. Bah, c'est bien, le Japon qui veut déverser des millions de tonnes d'eau radioactive. Comment dans ça? Le genre plusieurs milliards de litres d'eau hautement radioactive. Oh, bah, sympa. Ils sont au courant que les poissons qu'ils vont manger seront contaminés après.
Steph Quick, ça sent la rentrée du boulot là, non? Non, pas pour moi. Un soir, c'est Adobe Travail. Tu vas meurs forever. Bah attends, t'as pas dit en fait je travaille à la SNCF? Ah, ce qui paraît, c'est des feignasses là-bas. 60 millions. Vas-y, Gecko, montre-nous tes fesses. Bah, si tu fermes la division, il va avoir du mal à y accéder. En pleine. C'est épique, quoi. Voilà. 79 000. Yes! La division est ouverte, nous t'attendons. On continue en 7, c'est ça? Ouais. Moi, je suis chaud en 7. Ouais, vas-y. J'ai le lion en passe. J'ai quasiment fini là. Je vais peut-être en profiter, moi, je vais. Bah, si, en plus, j'avais le suivi des munitions. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Aucune idée. Bon, bah, tant pis. Bon, c'est que j'ai peut-être dû. J'ai dû me planter avec le reload. Steph Quick, j'adore ce travail SNCF, pléonasme. Oh là là. Si dans ces débats comme ça, je le prends pas personnellement. Au moins, ils ne sont pas sur le RSA. Voilà. Au moins, quand ils doivent se lever très très tôt, genre 14h de l'après-midi, ils se lèvent. Ouais. 3h du matin, des fois aussi. Ouais, bah oui, oui. Et des fois, tu vas commencer à 22h, ta garde, je veux dire ça comme ça, et tu rentres à 7-8h du matin, quoi. Mm. J'ai un pote, lui, qui va avec un camion toupie, là, pour le béton. Ouais. Ça fait plusieurs jours qu'à cause des chaleurs, ils sont obligés de bétonner beaucoup plus tôt. Résultat, la centrale à béton commence à 1h du matin. Donc il se lève à 2h. Et à 3h, ben, il est déjà avec son premier camion chargé pour aller verser. Ah, mais c'est souvent qu'il y en a pas mal qui disent ouais, tel ou tel boulot, mais quand tu lui proposes les mêmes conditions, ils veulent pas quoi, tout de suite. Ah ouais. Et merci Nick077, merci à toi pour le follow. Et bienvenue sur la chaîne. Bon, Gecko, là, c'est bon, là, maintenant, là, tu fais durer le plaisir. Je sais que t'aimes ça, mais quand même, là, vas-y. Leur base, elle va être capée, là, dans. Mais à chaque fois, il y a un con qui se fait des caps. Là, il restait un demi-millimètre. Il devait rester, peut-être, je sais pas, moi, moins d'une seconde à caper. Et il y a le CV qui était dedans et il fait des caps. Ah, il faut tous taper sur la table maintenant. Gecko, Gecko. De toute façon, la partie elle est finie dans 2 minutes. Voilà, il reste 2 minutes au compteur. Au maximum, si le mec se fait décap jusqu'à la mort, mais là normalement ça devrait être bon. Je sais pas combien il reste, je suis pas dessus. Mais... Je pense qu'il doit rester moins de 10 secondes. Tiens, ça y est, c'est gagné. Tac. Allez, là, c'est bon. T'es bon? Ah, c'est bon. T'es sûr? Oh. Oui, ah bah oui, je sais pas, je vois pas. Victoire. Oh. Un homme utilise un pigeon mort comme arme durant une baston de rue. Vraiment au cœur. Y'a rien de mieux. Tu sais qu'apparemment y a des flics qui sont allés. Attends, y a des flics qui sont allés dans un camp de manouche et ils sont fait accueillir par une nana qui prenait son bébé et qui leur tapait dessus et après ils les ont aspergés de lait maternel. Ça m'a fait rire, hein. J'ai vu ça. Et sur non, le vraiment, journal. Mais... J'ai vu ça sur le journal, j'imaginais les nanas sortir leur nez. Casse-toi. Putain, mais c'est... Comment dire, c'est en plus c'est un risque biologique. Non, mais t'imagines toi les flics... Enfin, tu t'attends à tout, tu vois. Tu
tu t'attends limite à prendre des coups de chaîne de vélo quand tu vas dans un camp comme ça, ou un coup de fusil. Ouais, quoi, si c'est pas la chaîne de la tronçonneuse. T'imagines, tu vois, le mec, ouais, non, tu te fais aspirer l'internet. Les mecs sont pas entraînés pour des situations comme ça, tu vois. Ils sont pas entraînés. Ils sont pas préparés. Psychologiquement, on leur a pas expliqué que ça pouvait arriver. C'est des situations, là, niveau règlement, ils savent pas quelle page ouvrir, tu vois. T'imagines, genre, ça t'arrive, par exemple, dans l'avion, genre. Oh mon dieu. T'imagines, tu sais, je sais pas comment ça se passe, mais c'est comme dans mon taf, tu vois, les flics, ils doivent avoir certaines procédures par rapport à telle ou telle situation. Alors, t'imagines, il prend son règlement. Les maternelles. Ah, je le trouve pas. Nichon. N'importe quoi. Non. Wack. Dans le sommaire et dans les... On va quoi, colonne 8-9-10? Ouais, bah on va colonne 8-9-10. Y'a pas de soucis, on va colonne 8-9-10. 8. 8. 8. Et 70 et 90. Exactement. Bah tu sais, voilà. C'était mieux que 80, hein. Oui. Métal, tu veux pas essayer de parler avec l'accent français pour une fois? Non, c'est la terre foutre. Grosse bias. Avec l'accent québécois. Enfin, nous, avec l'accent québécois. Yo, c'est-tu de tabarnak, là. Je suis tellement content. Ça fait d'un plaisir d'être là. Toi, t'es en train de refaire Laura Gérald, faire Céline Dion, non? Je vais d'un bac, Harry, cette game. Comptez sur moi, les gars. Puis là, il va se faire attraper. Il va se faire chi. Moi, je vais carrer les games avec mon man. Je m'en vais pas sortir des grosses torpilles. Des gros osios dans l'eau. Moi, j'ai quand même une appréhension, la vigueur. Et après, je vais aller chercher mon cher. Après, t'as laissé le bateau, je vais chercher mon cher. On va aller faire le tabarnak à Québec. Pas mal, c'est. Non. Bon, sachez qu'on vous aime, hein, les Québécois. C'est pas... On n'est pas... Voilà. On n'est pas des racistes. Surtout les Québécois. Ouais, là, franchement, j'avoue que je le sens vraiment, mais super mal, là, ce qu'on est en train de faire. Et puis là, en fait, toute l'équipe adverse est de l'autre côté. On va capturer C comme une fleur. Non, non, il y a le RPF qui est droit devant. Ah, bah voilà, un chat Norse. Ah. Donc avant de caper comme une fleur, va falloir m'aider sur l'Akatsuki, par exemple, juste en face de... J'ai vu, je vais t'aider sur l'Akatsuki. Vas-y, on va le mettre en tabarnak, l'Akatsuki. Parce qu'il m'a envoyé des aussi de torpilles, là. Va falloir que je fasse tomber, attention. Ah voilà, j'ai pété le rudder ou la Katsuki là. Je mets tout ce que je peux dessus, mais aussi, il est d'abord résistant. Ah et moi si j'ai pas assez l'idée là, je sais pas comment faire. Ah si j'ai assez l'idée en fait. Il va droit à la gueule dans mes torpilles. C'est soit il avance, soit il recule. Mais comment veux-tu que... qu'il je lui enlève son pull. Et je le mets en petit... Ah bah voilà. Et la prime à torpedo. Quoi que je l'ai tué, qu'on laisse! Oh putain! Ce type est inarrêtable. Il s'attendait pas au sol, il est surprise! Oh putain! Trois coups de canon, un coup de support! Il avait pas vu venir celle-là. Oh, je m'étais bien concentré pour les lancer. Tu te doutes bien, c'est pas si simple, hein! Oh là là. Putain. Dis-moi, tu es sobre ou tu as pris ton petit rhum? Non, j'ai rien pris du tout. Hein. Ah, en plus? Ben non. Oh le Fuji! Il va droit dedans, c'est con! Recule! Recule, mon ami! Non, avance pas! Oh là là. Et c'est sûr, il met pas du sien, alors il va pas mourir. Ah, mais c'est quoi cette torpedo? Non mais t'es con! Il va me tuer avec son agile! Oh merci! Eh hey, Metal, fais gaffe au Char North! Ouais, tracasse pas le Char North, j'ai attrapé le Fiji, comme ça, ça vous emmerde pas. C'est un peu un anti-croiseur, un anti-DD. C'est un anti-tout le Fiji, là.
Bah Tyler, ça skill moyen, c'est pas terrible là aujourd'hui. C'est pas très fun. Le niveau arrête, est pas mec. Très bon. Ah, tu es bien. Ah, il est bien le niveau de la Katsuki, franchement j'ai bien aimé. Moi, franchement, moi j'ai trouvé qu'il a brillé quand même, surtout au début de la partie. Attention, je mets des tarpilles. Fais gaffe, il en a lui aussi. Juste là. Je vais essayer de t'aider avec mes petits connards. Ah, si vous pouvez lui défoncer cette torpille avec vos. Et je suis en train là. Ah bah je tape, mais c'est pas bien facile. T'as vrai, c'est pas bien facile. Je fais le plus maximum que je peux de moi-même. Putain. C'est pas bien simple. Oh putain. Oh la vache, putain. J'ai essayé de lui coller une torpille dans le museau, mais c'est pas bien simple non plus. Il bouge, il arrête pas. Bah, attends, je regarde, je vais lui en rentrer une dans le. Hop, 13 000 de plus. Je viens de Mosso. Je l'attendais pas, mais c'est une surprise. Putain, c'est pas possible. C'est là la belle surprise. Il veut pas crever. Gulu ouais. Problème Gulust. Problème Gulust. Oh mais ils doivent rien comprendre les viewers. Tu vois qui c'est qui le sentait pas le coin là. Alors déjà Akatsuki, Fiji, Charnorst, là c'est le Wood. Chacun son tour. Hein. Alors, et on était trois hein. C'est vrai que le Fiji il a eu une surprise. Hein. Non mais vous avez pas la confiance les gars. Faut avoir la foi, un peu le bidive. Vous avez pas le bidive ça c'est. Non, faut pas avoir la foi, il faut avoir le foi. Ouais. Le chat, n'hésitez pas, quand vous êtes en croiseur ou en DD, sur des bébés broadside, comme ça, passez à la paix. N'ayez pas peur d'abuser de la paix dans ces cas-là. Ouais, mais il faut voir s'il si... n'y a pas... Attends, des pots de plainte. Attends. Plainte pour abus. Attends, le Wood, je vais faire une surprise. Je pense qu'il va se faire gélusté, le Wood, il va rien comprendre. Problème gélust. Attends, moi, j'ai le problème gélusté aussi, tu vas voir. Il va bien sortir un bout de nez quelque part. Je suis confiant. Tiens. Non. Oh. Ah, il est là. Oh. Oh, 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 oh. Bien, copain, on est bien. Que vous pensez que je peux le cita à la AP cette distance? Je pense que oui, à mon avis. Moi, je sais pas, mais là, il est parti dans un nid de torp. Là. Là, je pense là que... s'il s'en sort, il est fort. Là. Oh, 18 000. Oh, m'en laissez surtout pas, les mecs. Hein. Désolé. Bah, non. Attendez, non mais. Par contre, j'ai un kit à caser, moi je veux bien te le laisser lui, y'a pas de problème. Y'a pas de problème, alors si tu veux y aller, vas-y. Hein. Non mais on est en train de les plier là, ouais. Regarde, je commence à te l'attendrir un peu. Bon. Putain, le Wood il s'y attendait pas. Il a été perturbé à un moment là de sa vie. T'as Metal qui le préchauffe à la AP, t'as Gecko qui termine. Oh, il va crever le kitan, je te le dis, je te dis qu'il va crever, moi ça c'est un mec, qui est parti pour entrer. Problème du lust. Bon, vas-y, je me suis calme, pourtant repéré, mais il ne tire pas. Ah, attends, je vais aller chercher. J'ai pas dit droit, par contre. Non mais j'allais chercher les copains. Gardez les canons dessus. Ah bah bientôt voilà. J'ai bientôt le spot en direct live. Vas-y. Salut Dragon. Oh là putain, je le touche mais je lui mets rien. Qu'est-ce qu'il me spot là en fait? C'est pas lui. Grosse salope. Non, bientôt c'est moi, j'ai regardé le spot là. Oh bah je suis out hein. Ça se trouve vous aurez même pas le temps de tirer dessus. Oh métal. Tu préférais prendre les torpilles toi personnellement ou... Non. Bon. Donc là tu vois il est là. Il est là copain. Vas-y. Oh non mais il me le vole, mais c'est pas possible. Je le vole, mec, je l'ai quand même, hein. Attends, non mais... Ouais, non mais... Je l'ai quand même bien attendri, Non, quand même, faut moi, rendre à César. Moi je voulais le foutre en tabarnak. Je m'en vais profiter de sa smoke, les dommages gentils de me l'avoir collé comme ça. Ça me fait bien plaisir. Je pense qu'il a même pas compris ce qui s'est passé, à mon avis. Oh, was I spotted? Bah... Mais ça comment va. Je suis mort? Hostie, j'ai pas compris. Ah mais il y a déjà plus personne. T'as NC là, croquant.
Ouais, bon, mais regarde là, il est dans la désuétude la plus totale, on va dire. C'est compliqué quoi pour lui. Tu vois, regarde là. Ah bah tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a pas eu le temps. Ouais, là je pense qu'on a joué contre des bots, Tyler. Et je pense qu'en fait, c'est parce que Geeko a pris son accent québécois au début aussi, donc ça nous a, je pense, bien aidé. Je pense qu'ils ont dû entendre ça, tu sais, ils ont fait « Taillot, on se casse, c'est horrible !» Ah bah ça les a surpris, ils sont dit « Merde, il y a un Québécois, là !» Yes, bah, cool. Quand même, au-dessus de Doobie. Ouais. Bah, le Fidji m'a rapporté beaucoup. Alors, tu vois, un conseil, pour ceux qui ont la suite pour acheter le Black et qui hésitent à l'acheter, bah, prenez le Man, c'est mieux. Vous prenez des économies d'acier. Le Hood, il a mangé 19 000. Continue en 7. Ah bah ouais, ouais. Allez, moi je vais réavancer sur mon York. Je suis à Courbière, moi, pour le cuirassé. Vex et juste ça. 28 000. Magnifique. Encore 42 000. Voilà, on prend le Duke of York. Le Duc. Prends le Lion, si je peux me permettre. Ah, le bot de la OZFR, là. Le bot de la OZFR, la vache. Fonctionne bien. Un petit DD, métal. Non, j'ai terminé les DD, je suis en train de jouer cuirassé. C'est un duc. C'est un duc en caoutchouc, comme le dirait Tyler. Tu as déjà. Tu as déjà vu le truc de Jude? Le Jude? C'est quoi le Jude? Non, le duc. Vrai. Vas-y, rassemble tes idées, Metal. Tu ne trouves plus le titre de la... On s'en retourne à bon coup, tu balances tout. On t'aime quand même. The Big Lebowski. Ah, non. Oh putain. Bon, moi je vais aller là où il y a les 2 DD. Les 3 DD. Je vais aller suivre les 3 DD. Et je vais aller les tabarnakiser. Avec mon H.E. de la mort. Voilà les tabarnak qu'ils aient là. Allez. Concentration, l'heure est grave. Concentrature. Il y a un porte-avions, l'heure est grave. Oh, si on reste ensemble, on n'aura pas trop d'emmerde. Oui, on n'aura jamais d'emmerde. Ça, y a pas de souci à avoir. Ça, c'est quand même un T8 et nous on est en T7. Et on n'a pas des navires qui sont réputés pour avoir beaucoup d'antillères. Ah si, le duc il en a beaucoup. Ouais. Ouais, bah moi pas. Ça, tu restes près de moi. Le duc il est mauvais en tout sauf en A. Ça c'est... Pas mauvais en tout, il a quand même des canons potables. Hein. Là puis il a un hydro, c'est cool. Ouais. Moi je trouve pas qu'il a un surmandier, ça. Mais... Bon, il a qu'un hydro pour 3 km pour les torpilles, 4 km les navires, mais c'est super drôle d'attraper un DD dans un smoke. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont partis vraiment beaucoup de côté. Merci mille fois. Ah, problème Gélu. Oh non! Non. Faut bouger les mâles là. Ah non, c'est un camarade. Il a fait rush Bébliat, hein. Hop.
c'est un Agato en face, alors là, c'est pas cool. Quoi. Ah, c'est... Ah non. Il y a le lion aussi. Hein. L'Agato, je vais toujours pouvoir essayer de m'angler. Hein. Bah, il faudrait que le CV nous donne un coup de main. Je vais pas pouvoir rester comme ça éternellement. Le Faragut s'est tanké ? Ah non, il reste caché le. Je suis spot. Le Normandie, par contre, je le prends. Toi aussi ? Ah, le Nagato, t'as la hache. Ah, ça c'est parfait, il a absolument rien compris à son bateau. Oui. On va pas s'en bah, déjà, il a rien compris parce qu'il joue avec les poids de structure supplémentaires. Ah, il fait nettement t'es moins peur d'un coup. Ah, regarde, c'est. Ouh, double assorti sur le Normandie. Il est un. Ouais, regarde, 67 450. Au lieu de 65 000, c'est ça. Oh, le Zhen Yang. Wouah. Oh là, putain, bon, bah, toi, le. Le Normandie, tu vas cramer. Parce que là, ça, glagla. Je crois qu'on peut goûter un peu. Bah écoute, je vais taper mon hydro moi pour les torpilles. Je mettrai la mienne après. Par contre, laissez-moi le tour. Mettre... Ok. Moi je voudrais bien remettre un incendi sur le putain de Normandie. Mais il va se cacher donc je n'aurai plus de temps. Dédé en face de moi, le Xianyang. Marc, attendez. Je peux essayer d'aller le chercher, le Xianyang. Si je fais le tour de l'île, je peux essayer d'aller le chercher à l'hydro. Oh PD. Oh, je crois que je les ai vus à temps. Peut-être plus. Ce qui est cool, c'est qu'on voilà. perd 3 DD, c'est juste trop bien en fait. C'est trop bien. Oh là, Katsuki va pas se mettre. Je ferai un stream, peut-être demain, je ferai un stream spécial où vous choisirez les navires que je joue. Si vous voulez. Putain, on dirait une influenceuse. Non. Quand même pas. Ah, t'es pas loin. Non. E4. Qu'est-ce qui se passe en E4 ? Je sais pas. Sérieux le Normandie ? Je n'ai plus d'hydro. Hein. J'ai mis la mienne. Voilà, petit assorti des familles Normandie. Que tu vas garder à maman. Bah Katsuki, tu commences à me péter les couilles. Oh, dommage. Ouais, bah si vous voulez, je peux faire un stream où je me maquille, je me mets en robe rose. Ouais! Je fais mon influenceur jusqu'au bout, enfin, pour le coup, mon influenceur. Oh, 48 PV, genre, jure. Pile quand je dis ça, il y a le karma qui me dit nope. Denied! Ah, c'est bien parce que la smoke, j'en profite, tu vois. Vu que j'ai un petit cadre libre, à 16 bornes, je tire furtif. Magnifique. Attends, y'a un monde où je peux aller torper le lion en soi. Si le Nagato reste à la hache. Y'a vraiment un monde où si je suis patient. Je rêvais d'un autre monde. Oudoubi, t'es patient. Ah non, ah. Ah, le lion il sangle, il va aller brawl. Encore un incendie sur le Normandie, je vais lui en remettre encore un. Ah bah oui, attends, 20 000, connard. Est-ce que j'aurai le temps de relâcher? Bah non, hein.
USB sur le lion? Je sais pas trop ce qu'il fait, je ne comprends pas du tout. Ah non, il pitche pas. Bon bah tant pis, on va aller chercher le Nagato là. Ah, et maintenant il connaît pas la AP. Oh, regarde. Ah, par contre, le Normandie, lui, il la connaît. Et le Normandie, il est sur le coup. Tu as 2x3 de sur le lion, on se borne complètement broadside. Alors là, franchement, pas que la RNG. Oh, allez. Je vais te lâcher les torches sur le lion. Comme ça, tu pourras lâcher sur le. Ouh, si tu arrives à faire une frappe double, ça serait insane. Ah, pas sûr, il me découpe avec sa hache, lui. Ah, il m'a découpé avec sa hache. Mais le Nagato, c'est sûr, il est down. Et le lion, je sais pas. Non, oh, le lion, il s'écarte. Ah, le lion, il s'est écarté. Dommage. Attends. Bon, peut-être qu'il va s'en prendre deux. Ouais. Bon, avec voie d'eau. Ouais. C'est marrant, il produit de la vapeur. Ah bah il avait... Ah bah d'accord, il avait déjà pris un incendie en fait. Ouais. Cocotte. Bon, par contre, le Faragut, il va se prendre putain de report. Ah, il floute toujours en plus. Ouais, ouais. Ouais, je crois que tu lui as mis deux voies d'eau. Une. Une. Ouais, bah écoute. Bon, allez. Ah, bah non, hop, ça s'arrête, ouais. Dommage. Signaler, Abjoumal. C'est quoi le navire qui pour vous, tu peux me tutoyer hein, Tyler, qui casse le plus les pieds, Smolensk, Lyon qui joue à cheux, le Lyon français. Oh putain, le Vladivostok qui joue, mais sans camo, sans rien. Le Khabarov, c'est bien joué, ça casse aussi vraiment les pieds. Zao. Un Zao bien joué. En fait, tout navire qui est bien joué casse vraiment les pieds. Y a pas de navire mal joué qui casse pas les pieds quoi. Tout navire qui est bien joué casse les pieds. Parce qu'un bon joueur casse les pieds. En tout cas, j'ai bien ma petite action en York là, c'était suicide mais sortir de navire quand même. Tu as vu le char Norse tantôt, tu t'es dit il faut que je fasse pareil. Seulement tu t'es trompé de navire, t'as pris un York. Mais c'est bien, j'ai deux fois plus de torpes avec le York. J'ai un DD qui est juste en face de moi, je suis en train de faire du torpedo beat depuis tout à l'heure, mais c'est très bien qu'il crève en fait le Sienyong là. Je commence à plus en pouvoir de lui. Il me rend ouf. Ah là, ça recommence. Oui. Pas, mais. Le Sienyong est casse-couille, il faudrait le dégager. Ah bah ça, j'aimerais bien. Bonne heure. Faut. Je suis en train de le rush et là je le spot en direct. C'est pas prêt mon pote parce que ça c'est ma spécialité de taper sur des dés. Tu mets une... Je lâche. Ah, on a plus un cap hein. Ah, il va m'aider le CV. Ou pas. Je lui ai dit bien, l'Enterprise, c'est sérieux, s'il focus pas les DD avec ce CV là, c'est qu'il a absolument rien compris à son bâton. Ou il a pas compris au jeu aussi, hein. Ouais, non, mais quand même. Oh, regarde. Là, il va lui mettre une bonne grosse bordée là. Ah, ouais, bah ouais, on a vu, hein, il a lâché cette torpille où il fallait pas. Le Zander, envoyez-lui un putain de report, signaler mauvais comportement, il donne les positions. Et le CV aussi à report, hein.
Non mais il est nul cet Enterprise là. Ah ouais. Ok. Non mais je pensais pas quand même à... Ouf. 7000 dans la mouille. Tu as éternué fort là. Ah là c'est 7000 dans la mouille. Lock-le avec ta secondaire. C'est fait, tu crois quoi? Tu as pris pour un... Je ne crois rien, c'est comme ça Thomas, je ne crois que ce que je vois. Allez le KS. Oh non, y'a pas de KS. Ouais, 7 c'est ta KS, même si tu l'as farmé jusqu'au bout. Et c'est moi qui l'ai mis 7000 avant. Oui. KS, ça veut dire kill steal. Mais tu hein. as kill steal le kill steal. J'ai kill steal mon kill quoi. Non, tu as kill steal le kill steal qu'on allait te faire. Ouais, c'est un peu ça. Bah ouais, c'est fini la comédie là. Je sais pas si... Il a pas... Vous avez pas entendu ma réponse en anglais, non? So, I was saying, expose you have any reason just to shoot HE with your Soviet BB, just know where your double sigma will start working, it's around 13 kilometers with a Soviet BB, and just enjoy. Ouais, enjoy your Stalinium shells. C'est du monde à la maison, je vous laisse. Ok, bah, des zoubis. Ciao, bisous. Bisous, bah moi aussi, de toute façon, je vais déco. C'est de plus en plus, tu décolles 5 minutes avant qu'on commence les clan battles. Mais il n'y a pas clan battle ce soir. Oui, mais c'est en général. Ah oui. Ouais, bah là je vais aller dîner, mais demain je suis là à 19h. La victoire est à notre portée. Have the Texas Premium, my Montana has ultimate upgrade. A 19 point commander. Ah, the Texas is... Just a very good BB, but the main issue with the Texas is that you will have to face tier 7 matchmaking and now you will just cry. Ouais. Voilà, et là c'est du gros tough, New Mexico versus Edimbourg. In fact, the good point with Texas is that you have just an impressive AA. And you can just deal with tier 6 carrier with absolutely no issues. And I won't talk about the tier 4 carrier. Bon, il a terminé cette game que je vois combien d'XP j'ai fait. J'ai fait. Bah ça va, je vois que tu prends ton rôle d'astragrade d'influenceuse très au sérieux. Pourquoi? Parce que je parle anglais? Non, parce que tu viens de faire... Tu as... Combien d'XP tu as fait? Ah là 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 là. Putain, il sort un Edimbourg sans problème avec une DCA de monstre. Et puis, il n'est pas capable de sortir un Yan Yang, l'autre con. Faut pas chercher. Non, j'ai arrêté là. 12 000, c'est bien ça, 12 000. Ça fait plaisir, ces 12 000. 16 700 Apex Commander. Putain, ça monte bien. Cool, ça, du coup, il me reste combien? Il me reste 34 000 sur le York. Un peu plus. 40. Non, il me reste combien? Plus de 40 000. Ouais, 47 000 sur le York. 47 000 sur le York. Bon, bah, ça grind tranquillou.
Ça grind tranquillou bilou. Bon, en tout cas, le chat, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi. Ça fait plaisir. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Et je vous laisse aux soins de Neuneu ce soir à 23h pour sa petite heure bien à lui. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à toutes et tous. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à demain.